Bonjour tout le monde. Alors, M. Legault aujourd'hui n'avait pas grand-chose à dire sur notre négociation lors de sa conférence de presse. Probablement qu'il est un peu trop empêtré dans son indéfendable projet de loi 61, un projet de loi qui ne s'attire que des critiques, puis qui est le reflet du type de gouvernance actuelle de la CAQ, c'est-à-dire une gouvernance autoritaire qui se donne des pouvoirs démesurés. À moins que le gouvernement ait finalement entendu notre appel à mener les discussions à la bonne place, c'est-à-dire aux tables de négociation. C'est là qu'on parle de conventions collectives, pas dans des conférences de presse. En tout cas, on constate que notre appel a tout de même porté fruit puisqu'il y a effectivement des rencontres de négociation qui se tiennent cette semaine aux différentes tables. On va se rappeler que dans sa première proposition d'entente que le Conseil du Trésor nous déposait au mois de mai, le gouvernement ne prévoyait rien de précis pour les conditions de travail. En fait, ce qu'il proposait, c'était de régler les conventions collectives rapidement, avec un quasi-statu quo des conditions de travail, tout en renvoyant l'ensemble de ses priorités à lui, ses priorités du gouvernement, dans des comités de travail qui auraient tenu des discussions pendant des mois après la signature des conventions collectives. Ce que nous proposait le gouvernement, en réalité, c'est un chèque en blanc. Il nous disait en quelque sorte, signez ici, puis après, on verra, selon nos priorités, ce qui peut être fait pour vos conditions de travail. Évidemment, nous, on a donné une réponse négative à cette proposition. Il faut se le rappeler, on a insisté comme CSN dès le début de cette négociation. Vous nous avez dit dès le début de cette négociation que c'était important d'accorder de l'importance à l'amélioration durable de nos conditions de travail. Donc, on a dit clairement au gouvernement qu'on tenait à mener les discussions maintenant sur nos priorités, qu'on était prêt à négocier de façon soutenue dans tous les secteurs pour assurer la mise en place immédiate de toutes les mesures pour améliorer les conditions de travail du personnel, puis que ces mesures-là soient intégrées dans les conventions collectives, comme c'est le cas d'habitude. Donc, vos comités de négociation dans chacun de vos secteurs sont à l'œuvre depuis la semaine dernière. Il reste à espérer que les comités patronaux démontrent de l'ouverture et surtout qu'ils aient des mandats pour qu'on puisse réellement négocier. Pour ce qui est de la table centrale, bien, on a eu une rencontre hier. Hier, donc, cette rencontre-là a porté sur les différentes primes et les budgets qui devaient prendre fin le 30 mars dernier, selon notre convention collective, et qui, après de nombreuses interventions de notre part, ont finalement été prolongés jusqu'au 30 septembre 2020. On a parlé d'abord de la prime des ouvriers spécialisés. Alors, on va se rappeler un petit peu c'est quoi la prime des ouvriers spécialisés. C'est une prime de 10 % qui est versée à 8 types d'emplois différents et qui a été négociée lors de la précédente ronde de négociation en 2015 dans le but d'attirer et de retenir des ouvriers dans les réseaux de la santé et de l'éducation puisque les salaires ils sont pas mal plus bas que dans le secteur privé. On se rappelle aussi que dans l'interronde, entre les deux négociations, on avait mis sur pied un comité où il y avait des représentants syndicaux et des représentants patronaux pour analyser la portée de cette prime-là. À la sortie du comité, bien, la partie patronale reconnaissait elle-même qu'il y avait des problèmes d'attraction et de rétention pour les ouvriers spécialisés dans le secteur public. Puis, de notre côté, bien, on voulait deux choses. On voulait améliorer cette prime-là, c'est-à-dire la rendre disponible à d'autres types d'emplois d'ouvriers spécialisés. Et on voulait aussi régler des problèmes d'application qui avaient surgi depuis 2015, là, quand on l'avait négocié. Donc, on a entrepris des discussions à la table sur la base de notre recommandation qui date de février dernier, puisque le Conseil du Trésor, bien, lui, il avait déjà reconnu qu'il y avait des enjeux d'attraction et de rétention. Eh bien non, ça aurait été trop simple. C'est comme si le comité de l'interronde n'avait jamais existé parce que le Conseil du Trésor, il veut créer un nouveau comité qui va évaluer à nouveau si la prime doit être maintenue ou non après le 30 septembre. Le gouvernement il refuse donc de discuter de l'élargissement de la prime à d'autres types d'emploi d'ouvriers et des problèmes d'application, en plus de refuser de s'engager dès maintenant à la maintenir au-delà du 30 septembre.
Pour les autres primes et budgets qui ont été prolongés jusqu'au 30 septembre, bien là, on parle de la prime pour les troubles graves de comportement, la prime aux psychologues, la prime CHSLD, la prime Grand Nord et les budgets pour la formation des professionnels et des personnes nouvellement embauchées. Bien, pour ces montants-là qui sont accordés, on se le rappelle, là aussi, c'est pour favoriser l'attraction et la rétention du personnel. C'est un problème récurrent qu'on a dans le secteur public. Le gouvernement nous a dit qu'il n'avait pas l'intention de les maintenir. En fait, il nous a dit qu'il ne veut même plus en parler. Je le cite, « Vous devez comprendre que ces primes prendront fin le 30 septembre. » Pour nous, cette position du Conseil du Trésor est totalement inacceptable. Vous le savez, les réseaux étant extrêmement mal en point avant la pandémie, la crise est venue aggraver la situation. Le gouvernement doit comprendre que c'est vraiment un mauvais message à envoyer aux travailleuses et aux travailleurs sur le terrain que de venir couper leur rémunération, alors que la situation actuelle prouve bel et bien qu'on a besoin plus que jamais de réussir à attirer et retenir des salariés dans les services publics pour que le Québec, les Québécois, les Québécoises aient les services auxquels ils ont droit. Évidemment, on n'a pas dit notre dernier mot. On va revenir sur cet enjeu à la prochaine séance. D'ici là, bien, ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'appuyer le comité de négociation en partageant massivement sur les réseaux sociaux une image qui sera publiée sur notre page Facebook du secteur public après le direct, le présent direct, et qui dénonce, bien sûr, la position inacceptable du gouvernement. Donc, merci vraiment de partager. Merci aussi à tous les syndicats qui tiennent des actions locales et régionales jour après jour cette semaine. On les voit vraiment se multiplier sur les différentes plateformes là, et médias sociaux. Bravo à tout le monde. Merci, merci de votre implication. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On va se revoir dès la prochaine conférence de presse de M. Legault. D'ici là, bien, solidarité.